Alors, mais voilà, excusez-moi de cette courte attente. Donc, on va recommencer à buter de l'alien. Enfin, faire semblant de buter l'alien, c'est mieux de dire ça dans ce sens-là. Alors, là, je suis là, il faut aller là-bas. Donc, je vais passer par ici. Et me faire crever facilement. D'accord, ça marche. Ah non, c'est là qu'il faut que j'aille. Non, c'te DLC, je l'ai pas fait plus d'une fois. Non, je sais pas par où passer. Non, bien évidemment que je sais pas par où passer. Donc là, il faut que je ferme ces deux trappes-là. Cette trappe-là, pardon. Après, il faudrait que je redescende pour fermer l'autre là-bas, et après que je l'envoie dans le vide. Il est là. Vous voyez, on voit beaucoup moins comparé aux autres niveaux de difficulté. Donc là, deux possibilités. Utiliser le lance-flamme, pas du tout. Voilà. Ce qui est chiant, c'est qu'on sait jamais par où il est. Non, je suis pas là. Non, je suis pas là. D'aération principale et conduit la. J'ai eu un peu peur. C'est fort stressant, oui, tout à fait. C'est surtout là en fait que je me fais buter moi généralement. Parce que dans le conduit, un peu difficile. J'essaie juste de te localiser au radar. Ah, ah, je suis localisé. Attends une seconde. Je crois que je l'ai repéré. Oui, il doit être tout prêt. Il est quelque part par là. Fais très attention maintenant. Voilà. Le problème est là. C'est qu'en fait, elle fait. Va à droite, mais l'alien arrive forcément de gauche. Donc en fait, on se fait troller dès le départ. Et c'est à cause de ça que je me fais tout le temps buter en mode expert.
Donc il faut que je me... En fait, il faut que j'aille à droite, mais que je regarde derrière moi. Mais ça peut être handicapant parce qu'en regardant derrière moi, il peut arriver de l'autre côté aussi. Enfin, c'est assez chiant. Bon, ça met toujours 40 ans à charger aussi, c'est chiant. Cela. Enfin bon, je l'ai nourri un petit peu, ça lui fait du bien, je pense qu'il adore quand on le nourrit. Alors, c'est parti. J'essaie juste de te localiser au radar. Ah, ça y est, je t'ai localisé. Attends une seconde. Je crois que je l'ai repéré. Oui, il doit être tout près. Il est quelque part par là. Fais très attention maintenant. Là, il va arriver en face. Oui. Est-ce que tu as un écran d'ordinateur de rap? Celui que tu avais avant, non? C'était celui d'Anthony. Quand j'avais. Je ne branchais pas là-dessus. Il l'a récupéré. Non, j'ai pas. Les gazinières, un géant, sans combien? Un géant? Bah, géant, excuse-moi, super, hyper. Là, tout de suite, j'en sais rien. Je pense C'est vers. pas grave. Dieu peut donner un prix. Entre 200 et 400 euros. Ah, quand même. C'est des gazinières, il y a peut-être moins cher, mais là, sur, j'ai pas les prix en tête. 200. Non. Les gens t'ont entendu. Va tout droit. Voilà, c'est bon. Gauche. Alors là, je suis un peu stressé. Bon, ma mère m'a détendu. C'était pas beau, ça? Merci, c'était très agréable. Pardon pour le petit aparté avec ma mère qui a dû me parler. Alors, voyons voir. Bien évidemment, il faut que je fasse le tour. Donc là, c'est la première fois que j'arrive à ce niveau-là. Donc vous m'excuserez les gens. Si je suis un peu méfiant. Voilà, c'est ça que je dois faire. Cache-toi quelque part pendant que le sas extérieur s'ouvre.
Ah, juste à temps, c'est pas beau ça? Cache-toi quelque part pendant que le sas s'ouvre. Le voilà. C'est bon, c'est avancé. Attends qu'il entre dans le sas d'aération et prépare-toi à l'enfermer dedans. D'accord, ça marche. Ça marche! Il m'a trouvé direct, alors que d'habitude il sniffe un coup dans le conduit, pour... bah pas dans le conduit, mais dans le placard pour voir si j'y suis. Là, il a même pas sniffé, rien à foutre. Alors, on va recommencer ça. Non, pas du tout, il a rien senti, il est juste, approché, puis voilà. Donc je vais réessayer, on verra, parce que de toute façon il n'y a que ça pour se cacher, il n'y a que ce placard là, donc j'ai pas le choix. Après je vais faire une vidéo où je montre mes fesses, hein, comme toutes celles que j'ai déjà vues jusqu'à maintenant, qui font un peu flipper. Là, je vais rester en arrière et je vais arrêter de respirer. C'est bon, c'est avancé. Attends qu'il entre dans le sas d'aération et prépare-toi à l'enfermer dedans. Pas trop où il est. Ah là il sniff. Se dirige dans la bonne direction. Dans la bonne direction, mais pas au bon endroit. Il n'est pas encore allé assez loin.